Haïti crise politique là vient pirate vent division vanté gros désaccord entre HTCA et Primati. Mirlande Manigat crié ses coups bien avant 7 février 2024. Haïti pral tomber dans un espace inconsidérable qu'elle trouvait pour jodi. Si vous faites tomber sur channel là qui t'aime dire ou sur Sophia TV83 gros réseau, nous avons plaisir informer ou si vous pouvez vous abonner, faites pour aider nous grandir et puis souvent vous avez des moyens fiables et rester confortable informé sur situation politique, économique et sociale qu'il tire dans le pays d'Haïti. Diverses organisations prennent devant dans la bataille sous chimé développement politique et pays. C'est le cas pour aider PHTK, Lavalas et diverses lotes qui n'ont chita parler trouver le nécessaire mettre d'eau Ariel Henry dehors dans le pays. Comme quoi, après 2 années assassinat Jovenel, Ariel Henry pas travail pour un bien-être société haïtienne. Par conséquent, c'est président HTCA, Mirlande Manigat qui estime gouvernement après trouver le plus mauvais impasse là si élection pas organisée dans fin année. Pour renouveler classe politique là, sinon pita pral pitris. C'est déjà trompette qui sonne, l'idéalité temps pour Ariel bay pays et c'est dans optique ça diverses partis politiques statué sans perdre du temps pour jeter Ariel, il y a bataille pour mettre yon l'autre équipe qui pral gérer pays d'ici yon l'année et puis organiser élection. Ça Claude Joseph explique. Chef parti DA qui t'a parlé dans nos diverses partis politiques déclaré yon mande concours peuple la pressé et puis aider aux jeunes formule pour évacuer Ariel sous pouvoir yon façon qui plus concret sous quelle que soit forme. Yon décidé yon pas quitter 7 février arrivé pour Ariel pas tomber sinon pays après tomber dans Kachouboumbe même nous pas connait qui ça n'a fait. Mesdames messieurs, m'a invité nous tendez extrait ça Claude Joseph qui t'a parlé à équipe matin débat qui Jean li t'a expliqué qui moyen il va utiliser pour ratiboiser et puis mettre Ariel plate à terre sous pouvoir ça. Nous c'est Sophia TV83, nous pas manquer pas informer sur dernière actualité dans le pays d'Haïti. Au cas où 7 février 2024 Ariel Henry a toujours été sous pouvoir et qui s'en a fait. Bon et là moi penser que nous-mêmes nous gagnons et toute façon pacifique et démocratique pour nous forcer Ariel Henry à quitter le pouvoir. Et moi, pas quoi que c'est rété n'a prêté toujours n'a parlé dans la radio. Nous avons des outils, nous avons des moyens, mais nous. Bon, écoutez, peuple haïtien toujours des moyens pour forcer les gens qui ont velléité dictatoriale à battre pas. Et nous-mêmes, nous pensons que les moyens ça y toujours là. Peuple là, insécurité, peuple là, il n'y a pas de problème là. Peuple là, pas. On dit, j'ai dormi, oui. Oui, évidemment. Et ça, l'aime considérer Ariel Henry. Exactement ça pouvoir à faire jeudi. Je profite de l'insécurité parce que véritable bénéficiaire de situation peur généralisée qu'il a, de insécurité généralisée qu'il a, c'est pour voir ça. Et c'est pour ça même il a cherché à alimenter l'insécurité. Une façon pour les peuple haïtien pas prendre la rue pour exprimer ras-le-bol avec mécontentement. Donc, tout le monde voit que ces pratiques gouvernement ça même en place là, c'est alimenter l'insécurité pour les gens pas sortir pour dire qu'ils ne sont pas d'accord. Mais, ils peur. Ils fait journaliste peur. Ils fait jeune femme peur. Ils fait jeune garçon peur. Ils fait grand monde peur. Ils fait professionnel peur. La gueule est bien marchée. Pour pas exprimer mécontentement. Mais PM, l'on considère Ariel Henry a déjà fait 2 ans là. Bon, Dadine voulait aller sous 2 ans. Et puis l'équipe Capville là, t'as fait 2 ans encore. Jusqu'il est pays ça tourné sous constitution même. Constitutionnel. Bon, moi-même, moi pensais que quelle que soit transition qui gagne pour le vin là. Ou bien quelle que soit équipe qui vient là, doit son équipe dynamique, des gens qui sont compétents, des gens qui sont capables, dans 1 an, pour organiser 1 an maximum. J'aimerais réussir mes pouvoirs, de ou pas pouvoir, de 2, 3 ans, 4 ans, décider de faire celui-là. Et si nous oublions, d'être nous là, Ariel Henry a fait 5 ans sur pouvoir ça, il a jamais regardé là. Eh bien sûr, c'est plan ça, D'ailleurs, c'est première transition nous gagnons qui long comme ça. Ah oui, ah oui. Et qui pas remettre rien, qui pas aucun bilan, un bilan catastrophique. Donc, c'est première fois nous avons une situation comme ça dans le pays. Mais qui assurance? Nous pas d'accord parce que Et moun, c'est dans l'élection qu'ils prennent pouvoir. Et moi-même, moi pas confortable à aucune transition qui prend le vin là, qui pour chita. Et on t'a dit là, il t'école sont en période de 2 ans pour pas organiser élection. Mais qui assure si PM, c'est un nouveau gouvernement, et de nouvelles têtes, qui assure si gagne que nous prend 2 ans et même plus pour ne pas arriver à l'élection. Bon, présence aidée dans le front, hein, ou bien dans l'autre coalition politique, et nous-mêmes nous là pour nous veiller à ce que, quelle que soit la transition qui est là, l'objectif principal c'est organiser l'élection et le plus vite que possible, réunir conditions pour l'élection faite. Dans combien de temps? Parce que nous connaissons le pouvoir qu'il a, dans combien de temps? Nous connaissons le pouvoir qu'il a, pas gagné aucune volonté. Aucun intérêt dans organiser l'élection. Combien de temps l'équipe a supposé prendre? Allô? Combien de temps l'équipe a supposé prendre? Moi, attendez bien. Combien de temps l'équipe a supposé prendre pour faire l'élection? Nouvelle équipe qui nous a souhaité que venir. Je pense que on année ou moins que ça, mais dans la mesure où d'abord c'est réunir conditions et moi penser que depuis bien volonté conditions à réunir. Parce que nous connaissons ces volontés qui pas gagnent beaucoup de pouvoir ça pour et conditions réunies. Parce que si conditions réunies et élection en fait, si élection en fait, équipe ça va aller. Et les élections faites, les passés à même sur un conseil électoral provisoire, et c'est ça, Ariel Henry a cherché faire Yotia. Grand conseil électoral provisoire pour faire une élection piqué-collé. 9 sur 9 qui autant de capacités là dans la rue à ses amis. Et Premier ministre allié les gens qui sont au pouvoir. Donc, c'est une vaste blague que Ariel Henry, bon matin, décidé, première fois ça fait dans l'histoire pays, que Ariel Henry décidé, mettez une liste de 9 noms dehors, il disait qu'il parlait dans le conseil électoral provisoire. Alors, l'islamo visuel quand même, elle a circulé. Comment? C'est tiré, mais elle a circulé. Ah ben, et c'est un jouet. Ouais, yo baptisé. Nous obligés à veiller là. Non, ça, yo capacité là. Là, nous connaissons le rapport yo gagne avec le pouvoir. Eh bien, nous connaissons qui ça qui résultat. Ou même ces mauvais résultats, mauvaise gouvernance. C'est mauvais résultat pendant 2 ans. C'est mauvais résultat pendant 2 ans. Mauvaise gouvernance. Mauvais résultat pendant 2 ans, mauvaise gouvernance. Et façon que l'équipe ça il fait mainmise sur toute réalité pouvoir, il mettait contrôle sur toute réalité alors, pouvoir. Alors, l'APM, il y a des gens qui t'a dit, est-ce que nous arrêtons seulement dans 2 ans? Oui, bah, ça, non, ça, moi, je ne pas. Ça, en tout cas, moi, t'es pipi ou ok, ça. Maman, vimandé. Alors, elle a une catastrophe, je suis d'accord avec vous, elle a une pire. Non, mais maman, vimandé, Claude Joseph, tout. Est-ce que sous Ray par là, ça t'est meilleur que ça? Ces considérations, ça, moi, j'ai essayé de faire au début. L'homme dit depuis 1986, c'est pour une fois nous avons une situation comme ça. Je ne pas dit que mauvaise gouvernance a commencé avec Ariel Henry. Mais nous, ouais, du coup, pas gain aucune volonté de côté pour le ministre Ariel Henry pour changer conditions mondiaux. Pendant 2 ans, il là, le président, le premier ministre, mais il également, je dis à ministre intérieur, mais il véritablement occupé un paquet de façon informelle, un paquet de fonctionnaires exécutifs là, et c'est dans souci pour le capable faire mainmise, contrôle sur toute réalité pouvoir et sans aucun résultat. Et nous tous connaissons qui raison, qui fait que Ariel Henry pas d'accord gagner un exécutif bicéphale. Nous tous connaissons ça, son secret de polichinelle, mais je dis ça là encore. Ariel pas veut qu'on exécutif. Qui ça fait pas d'accord? Ok, Ariel pas veut qu'on exécutif bicéphale et on exécutif bicéphale mais avec des têtes côté qu'on président à qu'on premier ministre, c'est parce que implication présumée Ariel Henry dans assassinat, faut la répondre question à la justice. Nous songez que juge l'a invité plusieurs fois, il n'est pas allé. Et second président a autorisé Premier ministre pour la répondre question la justice. Or, Ariel n'est pas venu à répondre question la justice. Alors, le contexte que nous est là, contexte là, c'est capable conseil et des ministres, alors ministre là, l'ensemble des ministres, c'est capable de prendre décision. Mais là, on n'est pas capable. Mais conseil ministre qu'on connaît, c'est un conseil ministre qu'on peut régler, ça veut dire qu'il y a un bas contrôle Ariel Henry. Exactement. C'est lui-même qui est Premier ministre. c'est lui qui gagne et ministre justice, c'est lui qui est ministre intérieur. Donc, toute réalité pour voir, ministre qui n'a pas vraiment la voix au chapitre. Donc, ça veut dire que ça veut dire que le conseil ministre, c'est un bagage perpétuel. Donc, il n'est pas capable de forcer Ariel ou bien conseiller pour aller devant la justice, pour aller répondre aux questions, parce que là, c'est véritablement obstruction avec enquête là, là on juge d'instruction invité ou pas aller. Donc, ça veut dire, ça, c'est un aspect fondamental. Et c'est ça qui explique que Jodia et toute disposition ça qu'a prend pour gagner un conseil électoral et provisoire coupion qui pour faire une élection malation petit passe-coute pour ces équipes donc OPM ou clé matin ou clé matin ça que fait et président Ariel Henry Pavlé on pouvoir exécutif de tête bicéphale c'est que dans dossier assassinat président Jovenel là non cité là-dedans donc là l'a épargné tout ça yo en façon pour pas gagner qu'un nèg qui vient sous tête li qui t'a traîner devant la justice c'est ça. Bon, c'est clair, c'est explication Jodia et qui est plus plausible, qui fait que qu'on refus systématique à négocier de bonne foi. Parce que négociation de bonne foi impliquée, puisque pendant 2 ans, ou pas aucun résultat, il faut qu'on exécutif côté pouvoir acteur balancé. Pouvoir acteur balancé veut dire que pour exécutif bicéphale, qui répond à l'esprit et l'aide constitution 1987 là, et qui prend le fait que, eh bien, dans la situation, ça n'y a aucun monde qui est capable sous tête au conseil présidentiel, en présidence, ou bien tout simplement en président, qui est d'accord que ou pas répondre à la question de la justice. Ça veut dire nous-mêmes, nous dit que Ariel Henry est impliqué dans l'assassinat du président Jovenel Moïse. Mais indice clair, si un ou révoquer Bedford Claude parce que le mandat de Digicel pour les rapports et appel au Badio, sous révoquer Rockfeller Vincent parce que les mandats pour aller répondre aux questions de la justice dans le Conseil des ministres, si vous refusez systématiquement à répondre aux questions juge d'instruction sur implication présumée ou non assassinat, et bon, on bagaille, on va cacher. Et rapport de CPJ à nous, de introduction à côté, on montrer que y a un appel qui fait avec Badio, et bien, bagaille, ça, c'est des indices clairs qui pour permettre que nous connaissions ce qui est passé dans nuit 6 pour arriver 7 juillet. Mais, moi, pas la vérité là seulement. Je dis, il y a un fonds qui crée. Oui, c'est la note. Font ça, il y a là-dedans. Et des partis politiques qui pas nécessairement ou bagaille au même genre, qui pas gain même pratique, mais qui pour un moment dit pays dans sali là faut nous créer une alternative parce que après 2 ans Ariel par matin c'est massacre, c'est assassinat, c'est tout ça nous connaît yo insécurité à Jean Vignac grand goût à misère. Donc Ariel Henry qui décide venons le petit groupe monde pour signer un autre accord pour prolonger transition après 7 février 2024 et mais groupe ça l'autre accord cap l'autre là. Bon évidemment puisque accord 21 décembre 2022 elle était clair, il était établi fin période transition le 7 février 2024. Et Ariel Henry qui remarque ça, eh bien, il commence à regrouper avec un petit groupe monde, un petit groupe amis et alliés, pour aussi on l'autre accord, pour dire, puisque il était bien gouverné pendant 2 ans, puisque il a un pile résultat positif pendant 2 ans, eh bien, il faut que yo mettez dans la tête pays comme premier ministre encore. Or, nous connaissons 2 accords Ariel Sien, yo, il était prêt. Non, vous n'avez pas dit pour toi encore là avec Ariel. C'est une blague, oui, Dr. Claude. Oui, voilà. Donc, 2 accords Ariel Sien, on a songé, 2 accords Ariel Sien. Faut qu'il était créé, mettez campé en conseil électoral provisoire, il va mettre. Faut qu'il mettez campé en comité d'experts pour révision constitutionnelle, là, il va mettre. Faut qu'il mettez campé en organe de contrôle sous question action gouvernementale, il va mettre. Faut qu'il fait concertation nationale, il va faire. Faut qu'il mettre un plan global pour combattre l'insécurité, il va faire. Donc, tout cette bagaille ça yo, dans 2 accords, il va faire une, il va respecter une. Il besoin d'un 3e accord encore pour mettre comme premier ministre dans tête pays parce que le débat est bon résultat. Donc, je pense que tout acteur qui est censé, tout le monde qui est raisonnable, qui est capable de dire qui est responsable, eh bien, pas qu'à accepter que Alcyon... Alors, bon côté Front Uni, hein, coalition des partis, ça, on va parler de l'ILA, nous avons une revendication qui est très claire, c'est que nous demandons, nous clair que nous pour départ Ariel Henry dans tête pouvoir. Bon, bien sûr, et nous pensons que je dis c'est sa population à amender. Population claire, il demande départ, démission Ariel Henry, parce que lui incapable, incompétent, insouciant et lui indifférent. C'est un gouvernement qui est impopulaire, décrié et illégitime. Donc, Mounio, par quoi que ça a un résultat, mais ça, tout le monde comprend aujourd'hui, c'est que pouvoir ça a organisé pour faire élection. Fait conseil électoral provisoire, non autant de dehors. 8 sur 9 mounio, bien 9 sur 9 mounio, c'est mon ami Ariel Henry. Ça dit là. C'est non cap circulé ou là, c'est bon nom tout bon. Non, effectivement, moun qui n'a droits humains, moun qui n'a organisation diaspora, etc. Donc c'est véritablement mon Ariel Henry parce que projet c'est pour faire une élection piqué collé. OK. Pour Zamin, pour clan capable d'occuper toute portion président jusqu'à Kazek, une façon pour capable protéger groupe ça, arrière groupe ça qui fin craser pays et éventuellement Ariel Henry lui-même qui vient pour répondre à la question de la justice. Alors, donc c'est ça un jeu que tout le monde doit comprendre aujourd'hui par rapport à ça qu'a dessiné dans le pays. Très bien, très bien. Alors très prochainement et comme c'était donc annoncé, a gagné on l'autre étape là, on l'autre tentative de la part de CARICOM qui a venu là pour continuer à parler. Front Uni sous table là. Bon, et d'abord, il faut me dire que gagné et signataire déclaration conjointe Kingston yo, qui yo même sous table là, qui en pile là-dedans déjà dans Front Uni. Je ne sais pas si Front Uni a formellement sous table là, même qu'on a plusieurs acteurs. Tant que moi-même, tant que groupe collectif 30 janvier, tant que plusieurs autres organisations qui sont sous table négociation. Donc nous pouvons concerter entre nous. Table négociation, hein, et un petit moment, en forme de table négociation, hein, et il n'est pas capable de réduire en table de dilatoire. Okay. C'est une manière de pouvoir faire peuple attendre. Et jusqu'à ce que vous tournez pour attendre pour ne pas avoir aucun résultat. Tout le monde voit que pouvoir pas aucune volonté pour négocier. Tout le monde voit pouvoir pas aucune volonté pour joindre une issue heureuse, un dénouement heureux à crise là. C'est dilatoire, c'est tergiversation, c'est subterfuge. C'est ça qui caractérise et pratique monde qui beaucoup de pouvoir avec Ariel Henry. Parce que définitivement, il n'y a pas quoi que et ils sont capables d'organiser, gagner un véritable accord inclusif côté d'un gouvernement bicéphale, parce que un gouvernement bicéphale, comme je dis là, Ariel Henry pas toléré parce qu'il faut que le président mandel pour répondre à la question de la justice. Alors, pendant qu'on revient à la question de la justice, là, des arrestations, Joseph Félix Badio, et fait gros parler, un homme qui non l'a cité dans tout rapport, nous connaissons très bien, j'en suis dit tout à l'heure. Et gagné des CPJ qui déjà attendait lui, gagné un juge là également qui déjà attendait. Dans mon appelé à là, Badio retrouvé lui dans pénitencier national. Certainement ou même comme ancien collaborateur et président Jovenel Moïse, ou composition claire sur arrestation ça qui ça dit ou? D'abord, permettre que moi féliciter intelligence policier ou bien groupe policier qui arrêté Joseph Félix Badio, l'ami personnel du Premier ministre de facto Ariel Henry. L'ami personnel Premier ministre là. Oui, moi je voulais féliciter yo, moi je voulais féliciter le commissaire ça qui gagne intelligence politique, on dit bien intelligence politique qui arrêté véritable suspect dans l'assassinat président Jovenel Moïse, les premiers ministres pas dans le pays. Parce que pour nous-mêmes, si le Premier ministre était dans le pays, Badio pas tape en bas code. Ça dit là. Ça c'est important. Si Premier ministre est là, Badio pas tape arrêté. Moi je voulais féliciter effectivement commissaire qui a intelligence politique pour lui arriver mettre main sous Badio et faire mettre main sous Badio dans un moment chef CSPN n'a pas dans pays parce que nous tous connaissons Badio a circulé librement en un pays sous haute protection CSPN qui vient là-dedans. Monsieur Ariel Henry comme président CSPN, qui vient là dans le ministre intérieur, qui est Ariel Henry encore, qui vient là dans le ministre justice, chef de la police, etc. Nous tous connaissons, haut gradé dans la police, mais particulièrement même CSPN. Tu connais que, informé sur l'arrestation Badio, Badio, je dis, Badio t'a libre et t'a fonctionné dans le pays. Donc, ou t'as parlé de Badio et qu'on t'a félicité et commissaire là, alors principalement et Enzo Fay qui lui-même fait arrestation. Oui, bon, pas de citer non parce que moi pas voulu que alors c'était déjà public. Non mais il met le public. Lui-même d'où il dit ça. Oui, il a assumé ça. Oui, oui, bien justement pour qui ça parce que moi connais que et éventuellement la fait face à des difficultés dans la police là mais oui effectivement c'est ça me dit là. Moi crois que il y a une intelligence politique qui fait que il y a arrêté d'offrir dans un moment et chef CSPN dans le pays. Nous tous connaissons véritablement et que Badio a fonctionné sur votre sécurité, particulièrement CSPN, et parce que. Ah, mais son bail, on dit la BM. Si je la choix là, pas d'amour, on va vous en parler là. Bon, bien sûr, puisque moi, quoi, nous lit rapport RNDDH sous question ça. Et moi-même, moi, lis, moi, tendez plusieurs bagages, moi, lis rapport du CPJ. Donc, Badio, c'est un monde qui est extrêmement important. Et aller plus loin dans quelques déclarations côté fait ça, gain titan, sous des médias, où t'es dit que, alors, Badio, plusieurs reprises, t'es trouvé la caille, Premier ministre, là. Oui, et alors d'abord... Et information, PNH t'a cherché lui, et que il était localisé à plusieurs reprises, la caille Premier ministre, ou t'es donc barré comme ça? Oui, évidemment, parce que c'est l'âme de répéter seulement New York Times, qui fait un gros article sur question ça, et en plus, moi répété RNDDH, qui c'est une organisation de droits humains et qui eux-mêmes toujours travaille sur question ça. Donc, moi-même, je n'ai pas inventé rien. Et tout le monde tendait question, tout le monde lit, et ça qui lit anglais, lit, et article New York Times, ça c'était un article qui était viral et dans le pays. Mais moi, je voulais tout simplement camper sur question ça pour me dire, je dis qu'il y a une nécessité pour gagner une alternative. Population, les bouquets, les fatigués, avec gouvernance M. Ariel Henry, qui tout le monde ouais incompétence ça saute aux yeux. Donc pas gain pile explication pour nous bailler ça. Donc c'est pour une fois depuis après 1986, nous dans situation ça, non pas dit que Ariel inventé la misère, non pas dit inventé grand goût, mais nous dit c'est première fois depuis 86. Situation dégénérée. Dans niveau grand goût ça, niveau misère ça, niveau insécurité ça, niveau kidnapping ça. Niveau massacre, ça, c'est la première fois que nous arrivons là-dedans. Alors, Front Uni, coalition de partis qui, ou même nous, voulons nous pour le départ d'Ariel Henry au pouvoir. Moi, ça me demande certainement qu'à attendre, qu'à regarder les questions politiques, qu'à analyser, qu'à dire, est-ce que nous avons moins politique nous? Parce que, même lui, là, toujours, l'a pas avancé, l'a cherché accord, l'a frappé, soutien blanc avec lui, l'a pas avancé. Qui ça nous compte faire pour nous retirer Ariel Henry au pouvoir? Oui, moi, je pense que son inquiétude qui, plus ou moins, m'était capable de dire légitime. Il y a des gens qui disent, bon, on premier ministre de facto qui gagne, qui président, qui premier ministre, qui ministre intérieur, et puis qui gagne un paquet l'autre poste de façon informelle dans l'exécutif là, qui capacité nous gagner pour nous évoluer l'aller parce qu'ils sont trop puissants. Depuis après 1986, après Duvalier, c'est la première fois que nous avons un monde qui est fort comme ça dans le pays. Mais c'est mal connaître le peuple haïtien. Et le peuple haïtien, lui-même, et bataille n'est pas gagnée, c'est bataille n'est pas décidée mener. C'est mal connaître le peuple haïtien qui était là, qui suivre, qui vivre misère dans le pôle, qui vivre grand goût, vivre insécurité. Ben, moi, pense que crise la atteint en maturité qui fait que, ben, moun sa ou pas prêter comme ça à regarder. Ben, nous-mêmes, au niveau front, nous pas prêter comme ça à regarder. Parce que nous croyons que, jodi a, même équipe en place, ta fol fait évaluation ça. Évaluation, le doit faire jodi a, c'est la classe politique. et les acteurs de la société civile dans sa grande majorité qui demandaient pour Ariel démissionner. Dans le forum d'Ariel, on regardait pour qui parti qui gagnait. Gagnait là dans et tout parti qu'on connaît, OPL, Mopod et Degre Unie et groupe non aligné avec Ariel Henry, PHTK pour me citer ça seulement. Mais mais que nous songeons tout que Lavalas soutient mettez publié un document là qui mandait une autre gouvernance avec un autre premier ministre. C'est un groupe représentatif de la société civile et des acteurs politiques également. Ils ont demandé la démission du premier ministre. Donc presque la classe politique et les acteurs représentatifs de la société civile eh bien mandé pour premier ministre démissionner. Donc moi pas penser que moi senti que ils n'ont pas évalué l'équipe en place là peut-être. Je ne pense pas que c'est un crétin, mais je ne pense pas que vous évaluez la dimension de ce qui a avancé là. Moi-même, je vis une crise dans un pays. Moi, pas un monde qui est tombé du ciel, donc moi, vis la réalité, moi, participer dans la réalité. Moi, un monde qui était plus fort, plus puissant que Ariel Henry. Oui, carrément. Donc, moi, un monde qui était plus puissant, qui était concentré toute réalité pour voir pays à Namayo, qui était gagné en pile l'argent Namayo, qui était utilisé force répressive, force la police, l'armée, etc., comme force répressive qui pour tout le monde, massacrer le monde. Moi, ouais, ça yo bat ba. Moi, ouais, l'autre qui crée corps parallèle pour tout le monde, moi, ouais, bat ba. Donc, moi, pense que, c'est sous-estimer capacité population, sous-estimer force politique, sous-estimer intelligence politique ou ensemble de monde qui a fait politique dans le pays, croire que Ariel Henry pas une façon que le bras aller jeudi parce que le support blanc. Moi-même, moi, blanc et déjà, supporté à la dernière minute, on joue 2 jours avant, mais obligé pas de battre. Donc, tout ceci, c'est pour me dire qui ça? C'est pour me dire que ces populations qui gagnent un dernier mot, nous-mêmes, comme leaders responsables, nous portons parole population au plus haut niveau et continuer le travail pour conscientiser eux, pour capable dégager, agencer une réponse appropriée à la situation que nous avons là aujourd'hui. Docteur Claude Joseph, dans le moment que c'est sûr que vous vivez des moments où vous avez des grandes manifestations contre Jovenel Moïse et tout groupe opposition même t'a demandé départ Jovenel Moïse, je te dis pas chita pas là avec lui, je dis non sermenté a fait pas la Jovenel là non pas d'accord c'est aller pour Jovenel aller, démissionner pour démissionner. Moi c'est même pas l'accès ça pour fait là. Et comme si nous pas chita parler avec et Ariel Henry c'est démissionner pour démissionner. Est-ce que nous même dans Front Union pas commettre même erreur que l'ancienne opposition te commettre? Non, si non parce que si n'importe monde qui t'a suivre conférence de presse font en bail, nous dit nous-mêmes nous sous table négociation. Nous utiliser la voie nous utiliser la voie pacifique et pour résoudre conflit. Nous croyons effectivement c'est chita pour nous chita et c'est un départ ordonné mais avec des conditions, BM. Allô? Avec des conditions. Oui, bien sûr, nous pensons que faut Ariel Henry lui participer dans le départ. Nous pas prêter comme ça. Non, mais c'est même pas la table dit vous Jovenel tout. Parce que je vous rappelle ça. Non, il dit départ, nous pas négociation. On s'est expliqué. Dans le cas précédent, on s'est expliqué. C'est un refus catégorique et systématique de négocier. Beaucoup de quelques acteurs, c'est pas toute forme de connaître ça. D'accord? Mais nous-mêmes, nous pensons que c'est eux-mêmes qui côté par un pouvoir. Alors, la PM, tu gagné quand même, et presque même bagaille là tout, tu gagné en proposition, tu voulais départ ordonné et planifié de Jovenel Moïse. C'était même bagaille là tout, oui. Eh bien, écoutez, et je dis à moi-même, moi pas, je voulais comparer deux bagailles qui pas comparables. Pour qui ça? Parce que, là, on a parlé de Jovenel Moïse, on a parlé d'un élu. D'accord? Et bon, moi-même, moi, comprends. Et c'est normal que gagne de monde qui est insatisfait de gestion, président Jovenel Moïse, et je dis, c'est pas là, non, je dis, nous, non, situation que nous pas jamais connaît depuis 1986.